Jésus existe, oh, tais-toi. Je parlais parce qu'il m'a délivré de la maladie. Il m'a délivré du péché. Son amour a touché mon cœur. J'aime les Arabes de l'amour de Dieu. Les Blancs de l'amour de Dieu. Les Arabes de l'amour de Dieu. Les Chinois de l'amour de Dieu. Mais toi, t'es raciste. Il a dit quoi, Jésus? D'aimer son prochain comme soi-même. Même ton bébé, tu l'as avorté. Beaucoup de familles ici ont avorté. Elles ont tué. Et en France, avortement légalisé. Voilà pourquoi la terre va mal. Tu n'es pas rendu compte que Dieu a frappé Notre-Dame hier soir? C'est Dieu qui l'a frappé. Il n'est pas là-bas. Les gargouilles, tout ça, les monstres. Mais c'est quel Dieu vous priez, mes amis? C'est le diable qui a créé toutes vos religions là. Toutes les religions ont changé les apparences. Mais pas ton cœur. Tu n'as pas l'image de Dieu. Tu es encore dans le mensonge. Tu es encore dans la masturbation. Tu es encore dans la zoophilie. Tu es encore à regarder les fesses des filles. Ici, beaucoup l'ont fait. Beaucoup ils se l'ont fait. Et tous les dimanches, ils vont prier à l'église. Alléluia! Alléluia! Et ils se masturbent toute la semaine. C'est pour ça que Jésus-Christ m'a délivré moi. Voilà pourquoi je crie comme ça. Je suis libre. Il a changé ma vie. Il peut le faire pour toi. Il peut guérir ta maladie grave que le médecin ne peut pas guérir. Même les docteurs, ça fume la cigarette. Je me suis dit, mon Dieu, ils sont tous fous. On prend le monde. Et il faut entendre la parole, madame. Le monde est fini. Il n'y a plus de moralité. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de mon cœur. Rigolez encore, mais que ce soit que la mort va t'attraper. Tu vas crier, oh mon Dieu. Trop tard. C'est souvent votre réaction, les humains. Oh mon Dieu. Pourtant, t'es athée. T'es athée où, mon ami? Dieu t'a créé. Il a pris la poussière pour fermer l'homme. Et tu retourneras comme Johnny bientôt. D'où t'as été pris? Poussière. Voilà pourquoi Johnny, il ne faut pas l'envier. Hein. Il est décédé. Il a tout laissé. Il s'est tué tout seul sur 30 ans. Sur 50 ans, il a fumé. Mais Jésus, oh là 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 là, c'est une bombe atomique. Voilà pourquoi tu peux me dire de me taire, je ne me tairai pas. M'insulter, je te pardonnerai. Parce que Jésus, c'est ma folie à moi. Il revient bientôt. Jugez le monde, comme on parle la Bible. Là, là, je vous dis, on vit la même époque que Noé. La même époque que Sodome. La sodomie est vendue partout aujourd'hui. En gros, légalisée. Voilà ma génération. On voit des cuisines publicitaires, des gens en culottes, des femmes en culottes, pour que la terre soit plongée dans la pudicité. Ta star préférée, c'est Booba. C'est normal, t'es voyou. C'est normal, tu fais yo. T'as même plus d'identité. Ta star, c'est Rihanna, mini-jupe. Tu couches à 15 ans. Ils ont fait des pactes, ces hommes-là. Ils le disent clairement en plus. Ils ne se cachent plus. Voilà pourquoi on ne se cache plus. On se cache plus, les enfants de Dieu. On va parler. Si le monde est dans le péché, eh bien, il y a des justes encore dans le monde qui témoignent de la véracité, de la résurrection. Amen. De Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon ami, il a vaincu la mort, Jésus. Ah oui, le tombeau est vide. L'histoire témoigne de son nom. Avant, après, Jésus-Christ de Nazareth. Et on dit que Allah, c'est mon Dieu. Allah n'est pas mon Dieu. C'est pas mon Dieu. C'est Jésus qui m'a rendu fidèle à ma femme. C'est Jésus qui m'a changé le cœur. C'est Jésus qui me promet le ciel. Quand je meurs, je vais au ciel. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trompé ma femme. Aujourd'hui, je n'ai pas dit un seul gros mot. Aujourd'hui, je n'ai pas fraudé le train. Aujourd'hui, je n'ai pas gardé des pensées impures dans mon esprit. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Il a crucifié la chair sur la croix. La chair qui est faible, crucifiée. Il a vaincu le diable en tant qu'homme. Pour que sa création suive ses traces. Mais sa création préfère suivre Johnny. Beyoncé. Les présidents qui vous promettent des mondes et merveilles avant l'élection. Et quand ils arrivent au pouvoir, oh, démission. Des bourricots. Ils pleurent tous les 5 ans. C'est le temps de voter Dieu, mes amis. L'homme est un menteur. Je fais confiance à aucun homme. Il est temps d'arrêter de mentir à ton fils. De lui faire croire que le Père Noël passe par la cheminée. T'habites en F3. T'as pas de cheminée là-bas. En fait, c'est un peu d'humour pour vous montrer que vous êtes tellement aveuglé. Jésus ne parle pas de Noël dans la Bible. C'est pas écrit. C'est écrit qu'il est né à une date qu'on ne sait pas. Et on peut le savoir parce que lorsqu'il est né, les bergers faisaient pète, mes amis, leurs moutons dans les montagnes. En hiver, c'est impossible. C'est l'empereur Constantin qui a mis cette fête en place pour adorer le dieu Mitra, le dieu soleil. Mais l'homme ne cherche pas à savoir plus. Il croit tout ce qu'on lui dit. On est du sage, il y croit. Pourtant, il n'est pas courbé. Il a les yeux bleus et il prétend venir du macaque. Non, mon ami, t'es moche alors, t'es moche. Venez à la vérité.